I'm
qu'il voulait passer l'hiver sans qu'il ait malade. Jésus. Bonsoir, 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 amis auditeurs, amis auditrices de l'émission Remontant Spirituel. Bonsoir particulièrement à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent via la radio Télé-Évangile Samnite. C'est pour nous toujours et toujours un plaisir, vraiment un plaisir de vous apporter la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Bonsoir également à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent via le numéro 514-416-0757. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent via les réseaux sociaux, via nos pages sur les réseaux sociaux, la page Facebook des Jeudis Spirituels, la page Facebook Église Mission, la Maison de l'Éternel, et la page YouTube Radio Télé Évangile Saint Luc. Aujourd'hui, on est lundi, mes frères bien-aimés, lundi, déjà 17 janvier 2021. Nous sommes à la dernière émission pour cette journée. Nous prions bon Dieu qui va nous opportuniser pour bien présenter aux deux premières émissions, à savoir déjeuner spirituel matin 6h-8h du matin. À midi, nous avons trempé ensemble avec vous dans la prière du midi et à soyant à l'heure de l'émission au montant spirituel. Côté, nous déjà gagné en onde avec nous notre docteur, le docteur de l'Église Mission, la Maison de l'Éternel. Donc, à nos contents et en pile froid, on nous dit, eh bien, lorsque le docteur a enseigné, nous sentit son docteur a enseigné vraiment la parole parce que nous joignons médicaments, nous joignons bon bagage pour vie spirituelle. Si au pas joignons, mais désolé, mais quant à moi-même, sans vouloir de jouer la politesse, la modestie, donc c'est pas ça l'intention, mais c'est la réalité, la vérité. Moins joigne, moins béni, moins édifié. N'apprends-le, eh bien, ça me moins, c'est la émission sur les live, émission qui fait pour capable tendre enseignement de la parole.
Pabliye, m toujou dou li, m ap toujou kontinye dou li, wa supporte mwen nan san sa. Priye pou si la yo nan tan sa, se tan si, se tan aktuel ke nan viv, ke nan konen nou menm kretyen de nou jour, priye pou moun pou santi beni nan moun, beni nan moun, pou moun ki ebyen meti tout entere meskin yo, entere personel yo de kote, men pou yo meti entere royaume bon Dieu an evidans. Priye pou moun sa yo, priye pou la vi yo, priye pou relasyon yo an bon Dieu. Paske le jou ki yo pa an etroit kolaborasyon, an etroit relasyon avek Dieu, yo pa ka jwenn pou yo ba ou, yo pa ka jwenn pou yo ede ou, yo pa ka jwenn pou yo pataje avek ou. Se dan se sens nan mwa do priye pou Pastor Bervens, priye pou madame li, priye pou sek piti li yo, baka di an atandan, paske denye aget an get 13 an pal nan 14 an, priye pou sek piti li yo, priye pou tout fami li, e pou bon Dieu fè fami li glas, paske zanmi nou nan bagay ou souvan blye, moun ta prêche l'évangile de restauration, l'évangile comment poursuivre marcher bon Dieu dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, dans l'équité. Des fois, les diables pas ta joindre, ils utilisent les amis. Les pas les amis, ils utilisent les familles, ils utilisent les foyers, ils utilisent les petits. C'est bagaille qui Dieu mande n'importe quel pasteur, mande n'importe quel prédicateur qui prêche l'évangile solide et puis la caille par exemple. Madame, par exemple. Petit ni bon exemple. C'est bagaille qui Dieu dans le ministère. Ça fait demander prier pour famille. Famille, famille pasteur Denali Rose, famille pasteur Claudimir, famille pasteur Obani, famille pasteur Abias Dieu l'Éternel. Eh bien, nous comptons, amis moyens, ensemble avec nous, on va suivre l'émission Remontée spirituelle. Nous avons trois émissions l'Église, mission la Maison de l'Éternel de Montréal présentée à tous les jours. Eh bien, c'est troisième tranche de mission, c'est remontant spirituel, toujours, eh bien, 9h, 10h, ou du moins 21h, 22h, et bien sûr, aux différents panels, à la gloire de Dieu. Ce soir, lundi 17 janvier 2022, nous avons l'honneur et toujours un grand honneur d'accueillir à l'honneur le bishop, le docteur Bervens Millien, qui va nous eh bien, présenter, qui va nous prescrire des prescriptions, des médicaments pour notre vie spirituelle, pour notre âme. Docteur Bervens, c'est toujours un plaisir, c'est toujours mon cœur content pour nous gagner, pour nous renommer avec la parole de Dieu. Que mon Dieu garde bénir ou en ordre, que bon Dieu a couteau, bouille l'évangile, l'estomac en forme, et monsieur et certain, l'estomac de blanc, le préparer pour le boire l'évangile. Ou sou stèl te la, sou te fò sou nou. Ah, mon chè, bagay sa, paske, mè tan rile la pou mè nou, mè pou pa yon mè yon moun di ou paske, bagay sa, si mè fò bagay kon sa de mè, paske, mè pa pè yon mè batèm la kon, non? Selon lè dekè, yon mè te ou di, pou mè tel sa an hiver, sou tel sa si tel dangereux, lò va di tèk nou sanpil, ki pa bon pou tel te avèk fòs. Après c'est pour la première fois on fait ça doucement parce que il y a un peu de monde qui a été dans appelé gros tempête de neige mais si on fait un on va dire que vous voyez que tout on est alterté avec force il y a un monde qui mourit comme ça déjà il y a un monde qui bloqué comme ça déjà parce que le cœur ou pas répondre à ce qu'on doit faire il est trop gros pour lui c'est pas sérieux parce que là il va expliquer déjà au Québec ça fait tout est gros ça peut être de neige qui tombe, en pelleté, fais ça doucement, parce que le cœur travaille trop vite, parce que par habitude, je fais le travail comme ça, et son paquet d'exercice, il y a eu pelleté, son paquet d'exercice, tout corps en mouvement, et le cœur qui prend tout le couloir, contre le couloir, c'est très important. Alors voilà, alors nous en neige, et parce que nous sommes pas comme dans la là, parce que monsieur, on fume là, j'ai que neige là, et de qui j'ai fait, Parce que, là, nous chantons. Mais en plus, dans le
nous sommes dans très imaginaire. Mm-hmm. Très imaginaire parce que nous n'avons pas expérimenté ça va chanter. Mais l'un a chanté, c'est ça que nous voulons qu'une neige. Ici, pour nous, comment on neige blanche pour de vrai? Mm-hmm. Là, nous comprenons le sens au fond du chant de la douleur de neige. Ça se fait en pratique, quoi. Ça vous lance dehors là, où est neige la vraie? Et puis neige là, il est vraiment blanche. Mm-hmm. Parce que gros sympa, c'est pour autre Haïti, son cœur qui sont il y a encore un langage imagé pour montrer comment l'homme n'a mon Dieu, les Jésus lavé ou plus blanc que la neige. Mais l'homme d'Haïti, vous pouvez chanter plus blanc que la neige. Imaginez que plus blanc que la neige, même pas qu'il y a moins de neige, vraiment. Mais comme si j'avais moins de neige là, concrètement. Très bien. Second volume de l'évangile pratique, que moi-même personnellement, et pour aux gens moins rien, pour ça clair, de ne pas vous vanter, c'est une vérité. C'est la première fois dans la vie que je rencontre un pasteur qui a un volume de l'évangile pratique aussi fort. Je pense que l'une, parce que phrase, mais parce que pratique. Vraiment là, je ne sais pas si vous passé la vie déjà, vous faites des victoires, vous avez fait le monde déjà, mais. On pense que on l'évangile, on vole l'évangile aussi haut, aussi gros, pratique, sur toute la vie, toute la forme. Je vous appelle, les soeurs, moi, personnellement, moi-même, dans la parole là, et vous faites recherche à vous proposer du moins, moi-même, c'est pour la première fois. Moi, nous, c'est gratuit, mais, quoi faire, mais, l'évangile Crayon, il faut sous papier. Mais
même qui dit pour chambre ça. Ça fait me dit monsieur ministre si qu'il y a lui ouais neige là, ouais comment ils sont commencé à s'asseoir parce que c'est ça. Ouais ouais neige là, on passe le complet qu'il y a. Complet. Il est dans le côté n'importe côté du complet. Ah ça il me dit ça c'est à la femme et manalite de samedi là. Samedi là moi regarder le sur toutes ces coutures en haut en bas à gauche à droite. Ou en bas, il m'a dit, parce que moi qui écris, c'est déjà dit, moi, l'évangile là, comment il est puissant, il est actif dans la fait pratique, dans le volume de l'évangile pratique, ça, le bagage de tout ça, c'est jamais. Puis, blanc, puis neige là, alors, tout pasteur, court pasteur voyagé là, dans plusieurs pays, surtout en Amérique du Nord, la comprendre, la bonne ouverture d'esprit, la bonne champ de vision beaucoup plus large. Beaucoup plus large. C'est comme ça que tout auditeur, tout internaute, la vie de l'évangile, pour l'évangile sans limite, 24 sur 24, la vie de maison de l'éternel liée, c'est pour nous la durée, pour maison de l'éternel liée. Et ensuite, la vie de l'éternel, notre ami Maximilien, Jean Maximilien, et tout le monde qui a écouté nous, c'est un là, tout pasteur, pasteur plus Dimir, qui a bouillé l'évangile dimanche, on a très bon enseignement, et pasteur Delade Rose, qui a senti l'effort, qui a avancé, très sérieusement, pasteur, le plus grand parmi nous, pasteur Obani, qui nous salue, il y a le nom précieux de Jésus, qui nous salue, pasteur Betson, mon petit frère, en Haïti. Et dans ce comme j'ai 32, dans le 33, il m'a pris un film, m'a écouté un film tout, et m'a dépensé un film grâce au pasteur ça en Haïti, parce que moi, dans le jeune âge, monsieur, extrêmement avancé. Et vraiment, mes connaissances. Monsieur, m'a demandé, monsieur, pour pas quitter l'orgueil pour lui, pour être dans l'humilité, pour le frapper plus fort. Je trouvais que monsieur, vraiment, son aigle intéressant, qui campait sous mon Dieu, en l'observant. Et en lui parlant, je me réalisais que monsieur est bien dedans. Alors, mon cher frère, que Dieu te bénisse. Et continue à faire l'œuvre de Dieu. Tout le pasteur, parce qu'il y a des autres pasteurs dans la maison de l'éternel, que nous sommes seuls, nous formons un seul corps, nous faisons l'œuvre, nous tous pour ensemble. Et nous faisons l'œuvre, nous tous pour la mieux sous pied ensemble. Et nous faisons l'œuvre que nous tous rencontrons ensemble pour que la maison de l'éternel, là, son maison de l'éternel, j'ai, c'est-à-dire qu'on maison de l'éternel globale, le ça, tout ça nous n'a possédé la bien, et bien Haïti a possédé la bien d'eau. Tout ça nous besoin, tout en termes de besoin, pour nous combler besoin là à tous les niveaux, pour nous faire un travail unificateur, un travail que bon Dieu a vraiment, que nous mettons ensemble pour que son œuvre fonctionne à merveille. C'est comme l'émission commencé à soi. Tout auditeur qui a été branché, bravo de nous faire confiance, de faire confiance à vos montants spirituels, et bravo de ce que vous prenez et le plaisir pour vous écouter la parole, pour vous débattre ensemble, comme nous voulons le dire, nous venir et pour nous parler ensemble, dialoguer ensemble, et puis partager ensemble la parole, et quelques connaissances, et puis ou même tout. Pas d'obtendre à quoi apprendre, pas d'obtendre à tout, car c'est nous apprendre de tout. Il y a quelques questions qu'à poser, car c'est nous apprendre, et puis nous, c'est ensemble nous faire, nous très sages, nous très humbles, pour nous dire exactement ça, nous connaissons, nous ne sommes pas pour nous. C'est pas l'état à la vie connaissance, nous faisons le lundi, à chaque fois avant de finir, mais faire la grâce de mon Dieu, nous venir pour nous faire œuvre mon Dieu avancer. Parce que nous sommes là pour le perfectionnement du corps, du esprit. On oublie. Pour notre Dieu, c'est vers toi que nous tournons notre regard pour t'élever, toi qui es le Dieu vrai, le Dieu extraordinaire, le Dieu par qui nous vivons, envers qui nous tournons tout notre regard, tout notre désir de te servir, tout notre désir de marcher avec toi, et de te craindre, et de te faire confiance, et de réitérer notre confiance en toi. Merci pour la grâce que tu nous fais déjà en vous. C'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir parler maintenant
Merci pour cette journée qui a pris fin, et pour cette soirée qui commence avec l'émission Revenant Spirituel. Dans ta sagesse, tu savais très bien que nous allions vivre ce jour. C'est pas grâce à ce jour. Parce que nous puissions passer un bon moment en ta présence. Bénis tous les auditeurs et auditrices habitués et ceux qui viennent d'être branchés. Que ta grâce soit sur eux. Que ta grâce soit sur vous comme nous espérons en toi. De sorte que nous puissions passer un moment de qualité avec toi, car de ta bouche, nous recevons toute sorte, toute forme de grâce. Parce que toi qui as la parole qui fait toute la cœur. Par Jésus-Christ, nous élevons ton nom. À lui seul sur la gloire, ça fait des siècles. Amen. Alors nous, très contents. Et son moment, c'est toujours intéressant, important, le nom. Et l'occasion de nous faire, c'est toujours un privilège. Et à ce moment, donc, la petite fenêtre, ça a commencé dernièrement, ouverture d'esprit, peut-être à ce moment, ou prochaine étude, ouverture d'esprit. Ça fait nous, on a parlé d'ouverture d'esprit. Et si, donc, on va saluer toutes les membres de l'éternel, mais en tout cas, alors, salutations à vous tous, dames, frères, jeunes, tout le monde, en général. Ouverture d'esprit, c'est parce que nous, en début d'année, et c'est très important pour nous garder pour nous, comment nous sommes vivants en 2021. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes pour nous recevoir mon? Comment nous fait ça? Comment nous vivre comme chrétiens? Parce que nous, je vous dis, il y a les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ était rempli de compassion en dame, en miséricorde. Jésus-Christ était le plus grand altruiste du monde. C'est le plus grand altruiste. Pour nous, il était tout prêt pour souffrir pour mon. Pour aller la vie pour mon. Et c'est toujours des portes ouvertes pour nous. C'est ça, une ouverture d'esprit. Qui des portes ouvertes. Qui des portes ouvertes. Pas extrémiste. Extrémiste, pas juste dans le bout là. Pas aller jusqu'au bout. Hein? Au point que, ou là, non, pas quelques monde, qui des bon Dieu, pas comprendre bon Dieu, ou là, non, pas quelques monde, pas qu'à servir par rapport à façon ou agir. Tout est ouais. Ce qui est important pour nous constater dernièrement, c'est que nous sommes dans la société, nous sommes dans le début d'année, nous sommes dans la fin d'année, nous sommes dans le janvier, nous sommes dans le janvier, nous sommes dans le janvier, nous sommes dans le janus. C'est une divinité romaine qui est présentée avec deux têtes. La première tête là, la gardienne, ça passe. La deuxième tête là, la gardienne, ça passe. Nous ne sommes pas extrémistes. Ou des esprits d'ouverture, c'est parce que c'est pas mon Dieu qui crée la gaïta, c'est pas mon Dieu qui crée moi janvier, il faut le créer tout jour, mais c'est l'homme qui fait calendrier ça. Eh bien, nous n'avons aucun problème, nous n'avons aucun problème pour nous réunir cette année. Pas intelligent, c'est parce que nous-mêmes nous faisons dans un esprit pour nous rendre action de grâce. Pour nous rendre action de grâce. Puisque faites ça, il y a les fêtes fin d'année, et vous faites biblique. Et vous faites biblique. Faites ça, il y a les fêtes d'année, et vous faites biblique. Qui fait lui-même? Qui fait bien? Qui fait bien? C'est Saint-Sylvestre, 33e pape de l'Église catholique, en 314 à 375. Et nous connaissons que c'est un combat contre la doctrine d'Arius. D'Arius, il y a les arianismes, son doctrine hérétique. Puis, l'arianisme, son doctrine hérétique, ça veut dire qu'il était nié la consubstantialité. Il était nié la consubstantialité du Père avec le Fils. Et nous connaissons que la question de doctrine christologique, il dit oui, il existe une doctrine christologique non trinitaire. Il dit pas bien appelé de trinité, Père, Fils et Esprit, pas de trinité. L'homme dit consubstantialité, c'est le nom, mais l'adjectif c'est consubstantiel.
on va être consubstantiel, on va être une même substance. Nous dit que le Fils, en divinité, nous dit que le Fils est co-égal et consubstantiel au Père. C'est un, unique et séparable. Alors nous, est que c'est Sylvestre, ça peut être. Ça vous réveillons, en nous donnant des pieds, vous trouvez. Quand vous considérez cette fin d'année, nous, ça fait nous pour fouguer ouvert sur l'esprit, pour ne pas exprimer, c'est parce que cette fin d'année, hein, ce n'est pas bon de ne pas nous fêter. Mais, sous la réalité dans le monde, là, c'est nous participer à la donne, parce que cette fin d'année, il y a beaucoup de la donne. Il y a beaucoup de terre, il y a du travail, il y a un pôle, nous guéchons pour nous rencontrer parmi nous, nous guéchons pour nous manger en famille. Nous guéchons pour nous jaser un peu, aller se rencontrer. Quand même, c'est bon, de très bon côté. Qui gagne en fait cette année, c'est pas bon Dieu qui bat nos calendriers cette année. Ce sont des hommes, mais quand même, il ne faut pas exprimer, il faut nous donner pour nous connaître. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est de choisir les bons côtés. C'est en nous et femmes, nous partageons bon, par nous amuser, nous nourrir. Nous faire ça, nous faisons ça comme le monde le fait. Mais il y a du bon côté là-dedans. Il ne faut pas être extrémiste. Il faut aussi être sûr pour comprendre que même quand une révélation est faite, Jésus est dit ou vous faites tel fait, nous ne devons pas entrer dans cette là, et même Jean le monde a dit la donne, mais son période christique quand même. Son période, nous ne pouvons pas passer à côté, son période que nous continuons en vacances, pas bien l'école. Mais loi chrétienne, loi biblique, c'est très important pour connaître. Il faut comprendre l'environnement. Il faut comprendre l'environnement. Nous ne sommes pas soumis au principe du monde, mais nous ne sommes pas sortis de la société à tout. Chrétiennement, on nous dit appelé pour sortir de la société à. Donc, on ne peut pas être intéressé dans la société à, on ne peut pas dire à rien. Mais nous sommes là. On ne peut pas discuter. Faire le contraire, comme si vous dites, on peut éviter l'école, parler l'école. Ok? À vous, vous avez juste à vous dire que, dans votre monde, l'école ouvert, parce que vous avez un calendrier, vous avez aucun calendrier de l'eau et avec vous, vous avez même le quimper, calendrier, juif, vous avez. Vous savez, ouais, pour conseil d'arriver, ouais, nous réveillons, ouais, vous pouvez réveiller, mais c'est le plus capable de réveiller. Mais ça vous réveillons, tout le monde, nous même, ça vous réveillons, même, quand on est. Côté élevage à sortie. Le réveillon de l'arche sylvestre. Le réveillon de l'arche sylvestre est la base à sortie. Pape Sam, le 33e pape de l'Église catholique, en 314-365. Eh bien, Saint-Sylvestre. C'est là, oui, c'est l'île biblique, c'est pas ça? L'île biblique. Et son fête qui compte célébrer la fin de l'année en cours et le nouvel an. Ça a été bu, c'est pour le réveillonné le soir du 31 décembre. Comment? Comment est-ce qu'on fait réveillon? Comment est-ce qu'on fait libre? Comment fait avec du bruit? Ou va l'année après changer? Est-ce que vous avez ça fifi? L'année après changer? Et vous avez tout pour réunir, donc édition de bye-bye. Bye-bye pour nous, ça s'est très écouté par plus de 2 millions de personnes. Chaque 31 décembre, de 23h à minuit. L'OL fait minuit moins une. Ou est-ce qu'on a fait bruit? Même ou même des fois, ou nous fait bruit, on est arrivé. Mais nous faisons l'église là, nous faisons de façon chrétienne, de façon spirituelle, de noyer nous, nous comptons d'être arrivé. Mais l'OL nous a fait bruit, ouais, feu d'artifice. Ou on est fini, ou on a fait feu d'artifice, bien plus bruit comme ça. Vous connaissez le but du bruit, qui but bruit à même? Son bruit à son ancienne tradition. Son ancienne tradition qui était commune dans les pays d'Europe, un bouillard, qui était bien que, oui, ça c'est fait là, c'est pour te faire fuir les mauvais esprits. C'est pour te faire fuir les mauvais esprits. Tout le monde a dit, ouais, on a dit, 10, 9, on t'a au bout, 9, 8, 7, 6, 7, 4, et vous avez fait bien. Eh bien, son coutume qui était propre à certains pays d'Europe, produisait bruit le soir du 31 décembre à l'occasion de la Saint-Sylvestre. On parle de l'expérience, on parle qu'il est mort, il y avait canonisé le béatifié, et puis il est devenu, il y
Yo vini le sain. Yo vini le sain. Et puis devine ça. Et quand il est nan, il va bon Dieu pas autant de décembre nan. Nan Jean, nan Jean. Jean, si on a rêvé, on va aller en plein ici. Ou aller là, on va aller lui fouiller pour adorer bon Dieu. Va bon Dieu pas juste ça, comme si pour aller faire ça, non? Comme si, mais ça fait partie de la société, hein? Si vous pas extrémiste, pas d'une, si vous pouvez d'artifice, si vous pouvez la paroi, vous pouvez le camper pour faire ces artifices là. Pas d'une que si, soudain, il y a tiré, il y a tiré quelques petits coups de canot là, quelques, ou même petit pétac à tirer. Et c'est sûr que les bagailles t'a touché, ou, il faut même quand on part, au contentement, bah, la même. En nous, ça, c'est un contentement. Mais pas ça, le fait, c'est acquis. Pas c'est Michel, le député actuel. Léo Béatrice, nous, nous mettons au rang des bienheureux. Au rang des bienheureux, le député actuel, nous mettons au rang des bienheureux. Eh bien, ça a passé, c'est fait ça. C'est ça. Et puisque M. le député actuel, nous mettons au rang des bienheureux, nous mettons canoniser, je veux dire, en béatifié et canonisé. Béatifié, c'est la dernière étape. Je veux dire, on est bien heureux. C'est la dernière étape pour franchir avant d'accéder à la canonisation. Ok? Et je veux dire, béatifié, c'est-à-dire que je veux dire, on est bien heureux. Et bien, ce qu'on a, c'est la dernière étape pour franchir pour aller vers la canonisation. Et la canonisation, même ça lié, c'est son bagage qui est au fond à que l'autorité pontificale là, il y a inscrit au monde sur la liste officielle des saints. Les béatifiés, puis on va le canoniser. Ils vont canoniser, c'est que vous avez le saint. Eh bien, pour ça, oui, Sylvestre. C'est un décembre dans l'orgue de la dame. L'autre dit, vous pouvez réveiller. On réveille, il a réveillé, on sortit. Mais, c'est nous qui nous fait réveiller, là, c'est nous qui nous fait réveiller, on a pris du tuyau, on a dit, crio, moi, pour là, moi, j'ai passé, ouais, on a pris un peu, mais c'est pas pour cette limite, c'est pas du lait du sacré de l'État, c'est 31 décembre, vous devez être là, vous devez aller sortir dans l'Église catholique. Mais et, ça fait un petit peu moins important pour que tu aies ouvert son esprit. Mais moi-même, personnellement, il réveille en train de déranger, vraiment, parce que je ne fais pas l'esprit ça pour me faire bruit, pour me chasser des mauvais esprits. Mais vous prenez ces portes-là. Époque là, c'est une époque que l'Église catholique impose nous. Comme si des fois, on va prier, on va chanter, mais on est tellement dû à nous. C'est comme si nous-mêmes, on respecte tous les principes et on a 100% pas gagné un échappé. On a toute connaissance. L'extrémiste, on va dire, ouais, non, l'extrémiste, on va dire l'extrémiste. Il n'y a pas de monde qui a toute connaissance, il y a toute bagarre. Et puis qu'on prie, et puis qu'on chante, et puis qu'on adore, et puis qu'on dirige, et puis qu'on enseigne, tout le monde qui s'en rappelle tellement. Il exprime. Mais il va aller au monde, si c'est aussi au monde d'en empêcher par l'heure, le mieux n'est pas tombé dans le péché. Parce que le péché, c'est adultère, c'est tout le monde, voler, c'est un péché. Mais aller au monde mal, dans le téléphone, c'est pas péché. Et c'est le menu doux, un tel tombé dans le péché, un tel. Je veux dire, non, relation extra-conjugale, il tombe à tel seul l'église là. Vous regardez ça, c'est seul et sans mime, c'est volé. Mais, s'il parle au monde mal, sans arrêt, déchirer de l'aile ou un guéri avec elle, ça, c'est pas vrai, c'est rien, c'est absolument rien. Eh bien, chrétien extrémition, dans le niveau de notre abanou, c'est à rien là, moi, c'est pas rien, c'est que c'est une capotimation, hein. Pas nous bien ouverture d'esprit, parce que c'est pas possible pour nous. Continuons à dire comme ça. Et ou même, chrétien tradition, est-ce que des fois, on va rendre le temps de l'histoire, on va rendre la réveillon, on va pousser des cris, mais elle est arrivée, on va pousser des cris, on va mettre des cris, est-ce qu'on est à la déblité, on va blesser, est-ce qu'on va blesser, dans la réveillon, dans la réveillon, qui t'a fait l'église du pays, vous t'avez fait, vous t'avez prié, qui s'est brouillé à l'église, est-ce qu'on va, est-ce qu'on réfléchit, il y a. En passant, combien de fois on te dérange lorsque on est venu dans le décembre dans le réveillon? C'est sûr que nous-mêmes, il y a plusieurs lettres qui vont nous faire vraiment fait.
des familles qui réveillent, des femmes qui étaient réveillées en fait, et puis des hommes musulmans et chiens en plaisir. Ça va être important pour nous pas faire attention pour nous bon esprit ouvert. Pour nous bon esprit ouvert, parce que bon bon travail qu'a fait, et ça va être imposé nous, nous allons nous prendre, nous allons prendre pour nous et prensification, pour nous prendre ça au midi, c'est pour le 31 décembre, non, pour nous veiller jusqu'à minuit, le soir du 31 décembre, pour nous, dans un calendrier grégorien, que l'Église catholique, oui, l'Église catholique, c'est ça. Ça fait des temps de Noël, ça commence après ça, et 27, 29, 31, c'est pour l'Église catholique, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est l'Église catholique qui m'appelle. Et je t'ai insulté comme ma pour un bon nom, je t'ai insulté Sylvestre, qui était béatifié, on veut dire pour rendre bien heureux, il est canonisé. Mais sur la liste des saints, il s'est reconnu à l'Église catholique pour garder la vie de nos prières, que nous-mêmes nous rejetons parce que nous devons ménager seulement devant bon Dieu. Ça promet son équipe contre le respect dans l'Église catholique, ça promet contre la doctrine de l'arianisme qui. Son doctrine électrique qui était née la consubstantialité. C'est-à-dire que les dieux, le père n'est pas égal au fils. Ok? Il n'y a pas les mêmes substances. Et nous connaissons que c'est complètement faux. Et nous sommes dans la consubstantialité. Et si nous voulons aller plus loin, nous connaissons que la péricorèse. Eh bien, nous ne pas sortir rouge à soir, mais nous très pratique. Nous ne pouvons pas ouvrir le débat sur la salle, nous ne pouvons pas aller plus loin, nous baillons l'information et comme ça. Manque d'ouverture d'esprit et l'extrémisme, et vous avez dit que vous seule compréhension. Vous seule façon de penser. Vous connaissez que vous différence entre une compréhension et la compréhension. Et là où l'extrémisme, souvent, là où la gouverture d'esprit, c'est parce que des fois, les chitas sont seuls compréhensibles. Les bonnes compréhensions parlent là, bon, les filles. Il y a rien dans les mondes. Soit le pindou là, ça nous dit qu'il n'y a rien encore. Si vous pensez à comprendre, nous ne pouvons pas dire. Mais mon frère, ou ma soeur, dans l'air. Pas qu'à 20 ans, on dit que nous bagaille, on ne va pas demander de bien. On va attraper sous le lit ou faire une malade. Ou même on a logé avec, ou tout le monde pas chrétien avec, ou tout le monde pas le bon Dieu avec, ou tout le monde pas bon Dieu, à même si on croit, j'en crois là. Pourtant, on ne pas comprendre. Au monde, après 20 ans, on a compris nos bagailles, on te connaît dur comme ça, c'est quoi là-dedans? Pourtant, c'est une mauvaise compréhension de sortir depuis 20 ans. Alors, il est important qu'on fait la différence entre une compréhension et la compréhension. Sous commencer. Comment ça peut être pour faire différence entre une compréhension et la compréhension? Lorsqu'il y a des compréhensions par là, comme okay, ouverture d'esprit, vous dites, est-ce que ça me comprend? Non, est-ce que nous avons dans l'autre monde, nous avons dans l'autre opinion? Il y a des on y te va former,
si vous comprenez que ça peut être en nul, et puis casser aussi, même l'île de l'Algérie. Même l'île de l'Algérie, vous-même, ou grandir avec elle, ou qui est là, là. Mais faut en dire deux, trois, le monde qui a parlé. L'ouverture d'esprit, lui permet que nous ayons un espace de dialogue, un espace pour nous attendre tant aux arguments. On donne tous les arguments, parce que des bagages, vraiment, qui peuvent passer à côté de nous. Des bagages qui passent à côté de nous, malgré tout comme nous sommes, malgré tout ce que nous avons fait, malgré tout ce que nous avons fait, malgré tout ce que nous attendons. Des bagages qui passent à côté. Ça fait moi-même personnellement, et chaque fois que je parle, chaque fois que je parle, chaque fois que je dis, mon Dieu, m'en bat puissance, m'en bat pour faire une vie qui semble. Si c'est signe d'autre de bagages qui passent à ma volonté, Mando, même à la dernière minute, pas quitter mon souci, pas quitter mon souci, pas quitter mon palais, pas quitter mon rien. Pour ne pas jouer dans un monde, parce que ça permet de me mettre vous-même pour confirmer. Parce que la connaissance est immense. La connaissance est immense. C'est là que je vais vous dire. La connaissance est immense. Pas jamais quoi, je ne connais pas jamais quoi, vous campez. Mettez ça, un tel défi, c'est vous campez là, et puis vous passez, vous passez bas, ou c'est là. Non, attention, faites attention. Alors, on regarde les lions, non, acte 10, tout le monde connaît l'histoire formée. Là-dedans, on peut découvrir quelques éléments importants. Nous sommes fait ça, c'est parti Pierre, l'apôtre des Juifs, et Paul, l'apôtre des païens. Et dans les connaît, frères et sœurs, ou même, comment est-vous l'église, vous-même, qui nous dit, je vous dis, la spiritualité, c'est l'élément sur le lapin. Il y a plusieurs explications pour la spiritualité. Si nous voulons entrer dans la spiritualité, on a entré dans les trois catégories d'hommes que Paul présentait, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. L'homme spirituel, la même, c'est l'homme naturel, là, c'est mon petit pas comprendre, après mon Dieu, malgré tout le côté de ce qui est, l'homme charnel, là. Son monde, malgré l'église, même toujours à dire, toujours à foncer dans la gueule, mais l'homme spirituel a son monde qui a pu faire l'effort avec la parole. Alors, ça veut dire que c'est l'élévation de l'homme vers Dieu. L'homme spirituel là, spiritualité, on n'est pas super bien lié. Spiritualité, on va dans la parole, lié dans la pratique. Dans ta pratique, il y a des choses qui parlent concrètes dans la pratique. Et dans la pratique, où, pour le faire, c'est une bonne chose pour aller pour un culte personnel. Le mot de l'élévation de l'homme vers Dieu. Et bien après, c'est pour tout, il faut développer des sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Il faut que tu fermes, il faut que tu sortes dehors.
Malouis, tu as la bruit, bah, la rigole, c'est un bruit. Mais la malouis, c'est chimie. Pourquoi ça me pourrait se louper? Frère et soeur, ou même qui est spirituel là, ou même qui est une bonne Dieu, ouverture d'esprit, ou d'où ouverture d'esprit la caille, ou au point pour dire, est-elle vous voulez cheminer avec elle. Ou même qui est spirituel, qui dit ou bonne bon Dieu en pile. Est-ce que bien moun ou fait cheminement avec? Combien moun déjà ou fait un pas dans la vie? Et là, ma commande, ça dit, ah, comment vous faites un pas de même? Comment vous dites qu'il y a un témoin qui dit, grâce à un tel, et il fait des pas dans la bonté? Parce que, ouais, puisque nous sommes là pour le perfectionnement du corps de Christ, il est important pour nous épater la vie. Si nous nous faisons, au lieu de critiquer nous, il faut acheter à nous, mon frère ou ma soeur, et est-ce que je peux t'aider? Qui soit prêt pour faire et qui mesure au grand pour t'amener au monde d'un point A à un point B. Moi, c'est le chrétien qui a un don spirituel, qui avance un peu, qui a quelque compréhension. Pas l'ouvert. Autant que compréhension, c'est autant qu'on a ouvert, on a ouvert l'esprit. Autant que la parole joue nous, autant qu'on a ouvert l'esprit. Autant que humble, autant que humble qu'on est ou pas rien, c'est autant qu'on a ouvert sur nous. Autant que qu'on est que sans bon Dieu, pas dans rien, on a ouvert l'esprit. Autant qu'on est que ou pas pire, ou pas que tout le monde, que l'humilité vous parce qu'on garde les yeux premiers temps tombés, c'est debout. Autant qu'on a ouvert l'esprit. Vous connaissez que mon ça, est-ce que qui ça me fait pour lui? Comment me fait? Et bien, bah, chita, alléluia, alléluia, je suis content. Bon Dieu, je suis content pour mon Dieu, pour femme, et ma connaît, mon Dieu, ma vie connaît. Non, bon Dieu, je m'en connais. Bon Dieu, je m'en connais, frère, c'est pas pour toi. Bon Dieu, je m'en connais, soeur, c'est pas pour toi là, c'est pas du niveau. Il me joue, parce que bon Dieu, mais toi là, bon Dieu, mais toi, c'est pas aider, mon ou est, qui pour qu'on chemine à son cheminement spirituel avec eux. Ouvrez l'esprit ou pour dire, pas dire, ah, c'est ça, j'adore ça, il m'a pas la avec. Non, au contraire. C'est parce que vous prenez la vie. Vous allez bien pour quitter. Parce que nous, c'est pas sûr que nous devons accepter toute bagaille. Nous allons accepter toute bagaille. Pour nous modérer. Mais, des bagailles, dit quelque côté pour nous trouver pied nous dans nous pour quelque monde des mondes et pas pour rien non des mondes qui vivent beaucoup tôt les gens ça ne va pas être éternel des mondes qui vivent beaucoup tôt pas là tout le temps qui veulent être bon Dieu et bon Dieu vous êtes bon et bon Dieu vous et puis c'est bon Dieu qui met au là pour lui parce que des mondes sont capables de charge c'est ça où nous allons tous les des mondes vont prendre charge sont des pouvoirs qui parcourt mon corps à mon temps et qui va vous arriver. Qui belle bagaille qui vivait. L'homme se bien bas dans le monde là, du grand, où est-il, où vous avez un moniteur d'apprécier l'évangile. Mais moi, je dis à nous, vous sortez d'égoïsme, et comme si nous voulons vous dévasser tout le monde, 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 et puis l'autre, vous avouez. À nous d'aller pour nous, qui ça, qui partait, à nous d'aller quelques exemples pour nous, et dans l'extrémisme, ce sont des gens censurés et condamnés. Je suis condamné par eux. Le monde a une ouverture d'esprit. Le monde est extrémiste. Bon, je ne vais pas aller dans la famille, non. Je ne vais pas aller dans la famille, non. Leur métaux dans nos positions, côté que vous-même, vous tellement contre mon Dieu, et puis vous ne pouvez pas parler en pile à monde. Et ça demande à vous être sûr pour nous connaître, c'est que nous tous, nous vous comptez, nous sommes sortis. Nous tous nous avons des sorties, nous tous nous avons parcours de tes faits, nous tous nous avons parcours de tes faits. En tout cas, pour nous, qui t'a Jésus dit dans Matthieu 15, qui t'a Jésus baille comme exemple et concernant des lois extra-bibliques. Des lois extra-bibliques, nous avons des passages dans Matthieu 15, Pharisée, Scribio, je vais côté Jésus, à Jérusalem, côté Jésus, je dis Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Quand ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leur repas. Verset 3, Jésus leur dit, leur répondit, et vous,
ni de mort. Mais vous, vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande, à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Au profit de votre tradition, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Monsieur Obama extrémiste, il a même venu avec des lois extra-bibliques. J'ai tellement été à ça que quand il serait sur l'église, on peut se dire que ça va nous faire des bagailles. C'est pas ma Bible. Il a dit la partie d'expérience et puis on fait le devenu au principe biblique. Et puis, comme ça, il a rejeté un paquet de frères, un paquet de sœurs, il a fait un paquet avancé. Qui va parler de Jésus là? L'autre en Dieu, c'est la tradition des anciens. Mais il n'a jamais été question de la tradition des anciens. En passant, qu'est-ce que la tradition des anciens? La tradition des anciens, son corpus de loi. Pour vous, il y a une loi extra-biblique qui va exister, qui existait sous forme orale. Comme si les lois extra-bibliques, ce ne sont pas des lois écrites par Moïse de la bouche de Dieu. Mais ces lois, les gens disent bien que des lois Moïse là, que bon, c'était pas à l'ibulité écrite, mais et nous-mêmes tous, nous des lois par nous, nous avons des lois extra-bibliques qui existent sous forme orale. Les gens là, qui existent seulement du bulletin de Babylone, assez lointain. Vers la fin du deuxième siècle, et Yomé Magassa a écrit dans la Mishnah. Tout le monde connaît. Mishnah, c'est son bolivier, ce sont des réflexions des rabbins. Et ce sont des réflexions des rabbins sur la Torah. Rabbin, leur réfléchit sur la Torah, qui est l'instruction, les premiers livres de la Bible. Et bien, on Mishnah. Le Mishnah, S-I-S-A-N-A. Et la Mishnah, il y a le Talmud. Le Talmud, dans le Talmud, c'est le livre sacré de la religion juive. Son livre, le Talmud, c'est le livre sacré de la religion juive, rassemblant les lois, les préceptes et les enseignements des grands rabbins. Et le Talmud, son livre sacré de la religion juive, qui rassemblait des lois, des préceptes, des enseignements des grands rabbins. Eh bien, il y a la Jésus sur parole, ça pour Jésus. Écoutez, au problème là, et monsieur, il n'a pas lavé, mais yo, avant de manger. Mais dans la loi de Moïse, là, où il y a un extrémiste, moi qui parle, ça a converti des fruits. Même, il y a plein de paroles là, où il y a dehors, il y a plein de principes, des paroles orales, qui sont prononcées oralement, que tu peux nous aider des lois extra-bibliques. Je mets des lois, dans la loi de Moïse, ce que tu as demandé à Moïse d'écrire, eh bien, pas de aucun commandement relatif au lavement des mains avant le repas. Dans la loi de Moïse, pas de bagages comme ça, sauf pour les sacrificateurs. Sauf les sacrificateurs qui étaient doués là avant de consommer. Avant de consommer les choses saintes, soit au delà des mains. Ceux de la Lévitique 22, verset 17, Lévitique 22, versets 6 et 7, on voit rapidement que Bible a dit, à partir du verset 5, pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes. Mais il lavera son corps dans l'eau. Il lavera son corps parce que dans la loi de Moïse, dans la lumière de Lévitique 22, verset 6 et 7, sauf les sacrificateurs, je dis de laver l'eau avant de consommer des choses saintes. Mais il n'est pas écrit dans la loi de Moïse que monsieur était supposé laver, mais avant de manger. Mais au Vini, il est tellement extrême, il est venu avec des lois orales, je dis ça, les traditions, parce qu'il dit. Vous savez, Jésus bien prêt pour le dire, nous, bon, on va nous faire et nous faire au profit
ça bien. Comme Jésus dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Au profit de votre tradition. Mais quoi? Pourquoi dans mon nom, ça a l'ouverture du fruit de l'Église, là, en 2021, en 2022, là? Parce que, pour mon nom, la vie à prendre, c'est la biblique. Mais on t'a dit, Pendant ce temps,
5. Et alors, après, il y a un petit peu de encore, mais il lui arrive à l'idée. Nous pas de temps, parce que ça soit de fond là, mais à fond, il est rapide. Et bien, nous, et après, là, à ce moment-là, nous, frères et sœurs, à nous, et garder pour nous dire ouverture d'esprit, pour apprendre, et comprendre le monde qui est beaucoup de nous. Très espace pour nous, très espace pour nous. Pas bien tel que le péché adore, ou pas dans la velle. Pas de ce péché, c'est un tel là, c'est là, c'est là. Gloire à Dieu. Nous bénissons mon Dieu, nous exaltons nos Seigneurs, nous exaltons notre nom, qui est dans l'opportunité. Pour nous attendre, voyons l'évangile, ça. Parce que nous avons une bagarre, mais l'idée qu'il y a un petit peu, nous avons un ami auditeur, auditrice. Docteur a été qu'à continuer, aussitôt, exemple, il fait son bagarre là-bas. En pile fois, nous avons fait des bagages par une tête pour connaître des minutes à la fin. Pour ce temps, nous avons fait des bagages à Saint-Suzette. Et tchao, nous voyons qui pratique. Nous-mêmes qui en allant jeune, nous avons fait utiliser grimaçon. Nous pas qu'on origine bagage. Chita dans l'enseignement, mes frères bien-aimés. Nous sommes bien dit nous ça. Avec le mouvement de Martin Luther, de Jacques Calvin, à M. Sao qui a été levé, campé contre certaines pratiques. Saint-Sylvestre, mes amis, Saint-Sylvestre, merci. Avec Martin Luther et puis Jacques Calvin, M. Sao qui a protesté contre certaines pratiques de l'Église catholique. Nous avons mis ça, nous avons rejeté en pile bagaille l'Église catholique qui nous fait. De nos jours, nos leaders évangéliques, eh bien, il y a plein de bagaille, il y a baou au détail. Donc, je veux dire, si on a fait ordination, il n'y a pas foutu bagaille, gros robe sous lit. Gros robe et puis qui gagne comment les gombay qui fait qui lague sous robe là croit tout partout mais cependant yo critique catholique qui met des chaînes qui gagne quoi qui gagne quoi dans mais qui gagne chapelet mais yo même yo met quoi dans robe là zamim et ça fait un peu le monde yo était étonné ouais nous ta ordination nous gagne robe oui
de Miami, parce que même si vous avez un robe, non, de Miami, vous avez un cadeau, vous avez un robe, vous avez un robe. Oui, la maison de l'éternel, vous avez un robe, vous avez un robe, tous mes amis. Mais les nous lit la parole, nous comprenons la parole dans l'autre sens. Donc, c'est pour dire, mes amis, moi, ça, oui, parce que Bébé Nsabba, nous l'a dit, c'est extrêmement important. Donc, je dis, eh bien, nous, en pile, nous, à pratiquer Saint-Sylvestre, sans que nous pas même rendre tête, nous compte, pour nous-mêmes, nous connaissons les affaires de Dieu que nous avons réglées, parce que nous pas chita dans l'enseignement. Et c'est pour ça, nous, mes amis, nous, ennuyant, nous, nuisible même. Nuisible parce que m'a toujours insisté, m'a toujours persisté pour me dire chita dans enseignement de la parole, parce que ouais bénédiction, eh bien on baïté tout on joigne le chita pour attendre enseignement de la parole. Papa monsieur, moi même m'a dit non, ou pas jambe fou qu'on est toujours tendu monde, parce que n'entends c'est pas seulement même, c'est pas seulement bon Dieu parler. Dans l'époque de Jésus, il était bien 12 disciples bon côté, il était pas là chaque disciple d'une façon ou d'une autre. Jean bon Dieu parle avec Pierre et pas consulter pas la Thomas et pas consulter ni pas la Barthélemy, c'est pas consulter pas avec Matthieu. Et soit regarder les quatre évangiles. Et si nous apprêtons le langage Sabundado, les quatre évangélistes disons mieux, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec chaque négio qui a présenté Jésus en un aspect, Matthieu comme moi a présenté Jésus, Marc comme serviteur, Luc comme le fils de l'homme, Jean comme l'aigle, comme le Dieu véritable, le Dieu vrai. Donc ça veut dire, mais moi, n'entend pas comprendre à où seulement bon Dieu parle. Bon Dieu parle avec plusieurs de ses enfants. Et à chaque fois, tandis, on apprend. Moi, je m'encourage à l'église sur la maison de l'éternel. Particulièrement, moi, on voit un gros coup de chapeau pour Pasteur Benson. Il a fait un travail colossal. Non seulement cap tant de formations. Et c'est ainsi que Pasteur Benson est assidu aux différentes émissions, différentes formations qu'a fait ici. Ce qui est bien, parce que nous pas de l'Église, nous sommes seul l'Église, nous sommes la maison de l'Éternel. Donc, c'est un seul bagage, son seul côté de la politique. Donc, ça est bon. Et nous sommes nous-mêmes qui avons pesé, parce que nous sommes pas pesé accélérateur, pour l'autre collaborateur, pour être capable et bien connecté et suivre et bien gens de formation ça aux gens d'enseignement ça à la gloire de Dieu. Merci encore Pasteur Benson, nous saluons à toute femme, nous saluons madame. Docteur Berens, chapeau bas, nous bénissons mon Dieu. Et j'en ai dit, Mathieu, nous bénissons mon Dieu pour rencontre nous. Et nous passons rencontre avec vous, en pile bénédiction et en pile grâce. Et bon Dieu, pas qu'on fait erreur, bon Dieu, qu'on a une raison de rencontrer. Et qui nous dit, au côté, yon vent nouveau, yon vent frais, et bien dans le ministère l'église sur la maison de l'Éternel, particulièrement dans le ministère personnel, moi, au ban nous en pile support, en pile compréhension, oui, en pile compréhension, nous pas cracher sur ça. Donc que bon Dieu bénisse, que bon Dieu continue, et bien servir avec vous, que bon Dieu continue à faire grâce pour nous mettre plus. Donc, que mon Dieu est bien fait, docteur, ça, nous commençons petit à petit. Hein, que mon Dieu est bien dans le royaume-là, de reconnaître tout comme un vrai docteur qui t'a enseigné, peuple, hein, qui t'a enseigné le monde entier à connaître Dieu davantage. Amis auditeurs, amis auditrices, demain matin, nous ensemble avec vous. Matin, nous sommes là pour vous déjeuner vous-même. À midi, nous sommes là pour vous déjeuner à soir. Nous appelle côté remontant spirituel pour nous-mêmes, côté nous, dans la route, là, pour nous mettre fin. À moins de demain matin, des niveaux du progrès, capable de continuer à connecter pour suivre. Eh bien, émission déjeuner spirituel, 6h, 8h, toujours sur le même panel, ça y est, et sur Radio Centre-Ville, au même qu'à Ville, Montréal, Canada, fréquence Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
pour nous en direct dans Radio Machino, dans Radio La Caillou, dans Radio Notre Travail, ou capable de nous demain matin pour l'émission Déjeuner Spirituel et sur différents panels. Sur Facebook, là, sur YouTube, là, sur numéro 514-416-0717. Pas oublier, bien apprendre, supporter nous. Aimer venir avec un nouveau service, un service de livraison pour nous-mêmes, frères et sœurs. Nous pas compter pour nous, nous pas compter sur le monde dehors vraiment, mais nous compter sur compréhension, frères et sœurs, dans l'évangile, frères et sœurs, qui, eh bien, c'est dans le royaume, mon Dieu. Donc, nouveau service, nouveau développement. Nous voulons un service de livraison, on a besoin non seulement manger cuite, donc manger cuite, ou même du sac duré, ou même du besoin de viande, poulet, poisson, ou même du besoin de magui, ou même du besoin de jonjon, ou même du besoin de cassave, ou même du besoin de pois. Tout ce qu'on a, ou même épicerie, banane, carotte, chaud, ou même du besoin de légumes. Là, on parle de légumes, on parle de feuilles, on parle de chaud, on parle de. Brocoli, ça nous est de brocoli, hein, on parle de tout. Donc, on a besoin de viande, on a besoin de fruits de mer, de crevettes, on a besoin de poisson, donc crabe. Il juste les noms et puis Félix ensemble avec nous. Et puis, on a apporté pour nous-mêmes. Et nous profitons de nous dire merci avec bien-aimé Milo. Il est bien-aimé, et bien, sous Emile Journeau, Henri Bourassa, qui déjà commencé à faire expérience là avec nous. Que bon Dieu bénisse, nous fait ça pour supporter nous, pour aider nous et pour permettre que nous sommes capables de grandir, avancer. Déjà, ou en a qui conjoncture que nous vivons, ou même particulièrement pour prendre un vaccin et pas décider de prendre un vaccin, eh bien, ou commencez par entrer dans une grande surface du pays, oui, ou commencez par entrer dans Walmart, ou commencez par entrer dans la maquette là, et gros maquette 1500 ou bien 2500, pas qu'on est quantité au pays. Eh bien, gros market ça, vous commencez pas à rentrer, vous commencez pas à l'acheter. Mais nous-mêmes, nous comprenons ça. Et nous, eh bien, là, bon Dieu, mettez-nous là, bon petit service là pour vous-même. Eh bien, il n'y a pas besoin de la market, nous-mêmes, n'apportez la caille vous-même sans problème. Juste relez-nous dans 438-819-1471 pour nous avoir pour du service. Merci encore, merci avec Dr. Bervin Smilien, notre docteur, docteur à l'église mission, la maison de l'éternel. Qui t'a enseigné nous, instruit nous, formé nous, ban nous l'évangile de Jésus-Christ. Merci à vous-même pour et bien sûr pour compréhension. Pas oublier, émission Salve dans Dieu aussi grâce avec le ministère ça, l'église mission la maison de l'Éternel de Montréal, qui t'a porté pour même à tous les lundis pour gagner docteur Bervin Smilien qui portait l'enseignement de la parole et tous les mardis à l'émission Rôle Montant Spirituel pour gagner Bishop. Bishop Dina de Rose qui portait l'enseignement de la parole pour même. Les mercredis, au gagnant, tu es l'éternel, pasteur Abias. Les jeudis soir, au gagnant, pasteur Benson, l'homme de l'eschatologie, eschatologue, et bien, église mission, la maison de l'éternel. Elle va faire un bon bagage dans la parole là. Vrai eschatologue, il y a un mec qui a parlé, il y a un mec qui a des faits, il y a un mec qui a donné. Souvent, donc, parce que nous avons voulu être notre propre bien-être. Donc, nous saluons, mon Dieu, vous savez, mon Dieu, merci, parce que nous avons un paquet de gros autobus. Avec nous, nous avons dit que 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 nous Bishop Dina, Bishop Benson, l'homme de l'eschatologie, eschatologue de la maison de l'Éternel. Nous avons un deuxième eschatologue encore dans la maison de l'Éternel, c'est H. Bishop. Eh bien, Claudie Mère Constant, chère, la maison de l'Éternel, là, les gens, bon, il y a pas une grâce spéciale, à Bishop Claudie Mère Constant, qui a bouilli l'évangile là-dedans et qui a une bonne compréhension de l'eschatologie. Nous bénissons, bon Dieu, pour vous-même, et nous, des pasteurs Robani, et des maestros du groupe d'hommes. Nous, et bien, saluons toutes, nous saluons Madame de Famille, nous saluons toutes, Cordiacona, nous saluons tous les membres de l'Église sur la maison de l'Éternel. Au revoir, bye bye, et avec la paix de Jésus. Bonne soirée dans le Seigneur. Quant à moi-même, demain matin, et bien vous nous capables de bouillir l'évangile encore à l'heure de l'émission Déjeuner Spirituel. Pas oublier, abonnez avec page noire, sur YouTube, écrit Radio Télé Évangile sans limite. Al abonnez-nous, al banon un like, al banon un j'aime, et bien partagez-nous. Encouragez-nous à vous abonner. Faites page la grandir. Membre de l'église sur la maison de l'Internet, faites page la grandir, faites page la évoluer. À la belle, sa belle.
C'est un n'a fait mission. Plusieurs monde branché nous sur YouTube, plusieurs monde branché nous sur Facebook. Ça va en l'autre cas d'image, ça va en l'autre figure. Bon Dieu bénis, bonne soirée, moi et moi. Au revoir, à demain matin, à la gloire de Dieu. Bye bye. I'm your offering, I'm your sacrifice.